Oyez, oyez, gentes dames, gentes messieurs. Oui, c'est reparti pour du foutage de gueule. Bref, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, les développeurs de The Day Before remettent le couvert. Oui, mais avant de parler de ceci, on va parler des news internet. Voilà. On va voir ce qui s'est passé ces derniers jours. Tranquillement. C'est parti. On y va. Let's go! Voilà les amis. Bon, on va parler d'un premier sujet. Donc, on va parler de Palworld. Et oui, c'est un nouveau sujet de discussion parce que Palworld, il est sorti récemment en accès illimité. Et il fait un carton intergalactique. Oui. Mais ce qui se passe, eh ben, c'est que ben, il est dans le jeu, dans le collimateur de Pokémon. On y va, c'est parti, on va lire tout ça tranquillement. Donc, Palworld est un carton intergalactique sur Steam et Xbox et a fini par attirer l'attention de Nintendo et la Pokémon Company qui ont communiqué sur la situation. Fallait que ça arrive. Donc, Palworld est le nouveau jeu événement de ce début d'année, pour ne pas dire viral d'ailleurs. Celui que l'on s'amuse à s'appeler depuis plusieurs mois le Pokémon avec des flingues est sorti sur PC et Xbox en Early Access. Il y a quelques jours seulement, et plusieurs millions de joueurs se sont déjà rués dessus. Le studio japonais Pocket Pair affirme avoir recensé plus de 6 millions de joueurs en moins d'une semaine, et sur Steam seulement. C'est énorme. Et à l'heure où ces lignes sont écrites, Palworld est encore le jeu le plus joué de la plateforme avec près de 1,2 million de joueurs simultanés, le double de Counter-Strike 2 à l'heure actuelle. Alors moi je vais vous dire, Palworld, je ne l'ai pas encore essayé. D'ailleurs, est-ce que vous serez chaud pour le découvrir dans une vidéo? Dites-le-moi dans les commentaires, j'aimerais bien le découvrir. Même si c'est pas trop mon genre de jeu, mais c'est pour voir. À quoi, comment il est, etc. Mais par contre, j'essaierai, c'est sur Xbox. Parce que je crois qu'il me semble qu'il est dans le Game Pass. Voilà. Donc, un véritable phénomène qui a également été marqué par une très grosse polémique. Beaucoup de personnes ont en effet révélé des similitudes avec la série Pokémon de Nintendo. Eh oui. C'est là que bah blesse. Si l'inspiration est évidente pour certains créateurs, on pourrait presque parler d'inspiration d'idées carrément. Quelques monstres pourraient bien être des évolutions de Pokémon existantes, tandis que d'autres semblent juste être le mélange de certaines créatures de Game Freak. Et ça ne passe pas auprès de personnes qui n'hésitent pas à être virulentes avec le jeu et le studio. Les histoires rocambolesques du développement de Palworld n'aidant pas à repère à faire patte blanche, beaucoup de questions restent en suspens. Et tout cela a réveillé la curiosité de la Pokémon Company dans la poche de Nintendo. La firme, pour ne pas dire les firmes, est déjà réputée pour être trop tatillonne au sujet de ses propriétés intellectuelles. C'est bien qu'il ne laisse déjà aucune chance aux fort gamme ou au mode des amoureux de la licence. Ça rigole de zéro chez Pokémon Company et désormais le géant officiellement. Palworld dans le collimateur. L'entreprise a annoncé la nouvelle avec un communiqué, tout ce qu'il y a de plus réglo. Elle affirme sans mentionner le jeu en question avoir reçu de nombreuses alertes concernant le jeu d'une autre société qui est sortie en janvier 2024, donc Palworld. La boîte affirme n'avoir donné aucune autorisation pour l'utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs Pokémon pour ce fameux jeu et déclare avoir l'intention d'enquêter, de prendre des mesures appropriées pour remédier à tout ça, à tout acte portant atteinte au droit de propriété intellectuelle lié à Pokémon. Bah ouais, parce que, regardez, ça ressemble fortement à Pokémon, ça, hein, les amis. Bon. De toute façon, fallait s'en douter. Fallait s'en douter. Palworld est dans le viseur de la firme et on devrait certainement avoir des nouvelles prochainement. Le jeu de Pocket Pair ne cache clairement pas ses aspirations. Pokémon Arc, certains, c'est trop.
Mis à part le design de certaines créatures, il est toutefois bon à rappeler que Palworld n'a strictement rien à voir avec Pokémon pour tout le reste. Le jeu se rapproche plutôt qu'un arc dans ses mécaniques de jeu aimé, donc la survie et le développement de base au centre de son expérience. La collecte des monstres fait bien sûr partie de l'expérience, elle aussi, mais absolument pas dans le même veine que Pokémon. Reste à savoir si cela servira à convaincre Nintendo et la Pokémon Company de laisser vivre dans le jeu dans son coin. Donc, affaire à suivre. Voilà, bon, en espérant qu'il n'y a pas trop de défauts pour Palworld. Hein. Donc, oui, quand un jeu est un succès, les amis, ça fait des envieux. Voilà. Bon, bref. On va passer à un sujet suivant. Donc, tout est intéressant et c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est plutôt cool. Et oui, parce qu'on va parler de Prince of Persia Remake. Et oui, vous savez, il est tant attendu celui-là, ce Prince of Persia. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah, allez, on y va. C'est parti. Let's go. Let's go. Alors, attendez, je vais regarder si c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, on y va. Après la sortie de l'excellent Prince of Persia The Lost Crown, tous les regards se tournent maintenant vers le prochain jeu, à savoir la sortie de le remake des Sables du Temps. Bah oui, vous vous en souvenez, ça a été annoncé il y a 3 ans. Donc, et justement, une nouveauté intrigue tout le monde. Prince of Persia The Lost Crown a été un très beau succès, si bien que nous lui avons attribué la belle note de 8 sur 10. Donc, je précise que je suis sur Gameblog. Le jeu est notamment une véritable petite perle artistique et visuelle, en plus d'avoir le chic d'être extrêmement dynamique et prenant. Forcément, cela ne laisse pas insensible quant à la suite de la licence. Et les attentes sont immenses pour le remake des Sables du Temps. D'autant plus que le jeu d'origine est encore très présent dans le cœur des joueurs de nombreux fans. Le développement du jeu Prince of Persia a connu plusieurs difficultés depuis son annonce il y a 3 ans. Initialement, le jeu a reçu des critiques négatives en raison de sa direction artistique et de ses graphismes jugés décevants. Face à ces retours, Ubisoft a défendu son projet et a repoussé plusieurs fois sa sortie pour améliorer la qualité du jeu. Bah oui, quand ton jeu il n'est pas bon, faut le repousser. Et moi, je dis à chaque fois, laissez le temps aux développeurs. Voilà, pour qu'on ait des bons jeux. Si on est déçu à la fin parce que bah, ton jeu est sorti trop tôt, ça sert à rien. Ça sert à rien. Laissez le temps aux développeurs. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. En 2022, le projet a été transféré à Ubisoft à Montréal, connu pour Assassin's Creed Valhalla, dans le but de finaliser le développement. Cependant, les informations sur l'avancement du jeu étaient peu rassurantes jusqu'à récemment. Jean-François Lode, le producteur, avait indiqué que le jeu est encore en début de développement et qu'il ne fallait pas s'attendre à des nouvelles importantes dans un avenir proche, tout en affirmant que l'équipe mettait tout son cœur dans ce projet. Récemment, fin 2023, Ubisoft a fait une annonce positive concernant le jeu. Elles ont déclaré que Prince of Persia, donc le remake, a atteint une étape importante de son développement. Cerise sur le gâteau, en ce début d'année 2024, une bonne surprise vient de sortir de nulle part. En effet, les trophées sont désormais disponibles et viennent de leaker sur les sites de PSN Profile. What? What? Mais pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Je sais pas. Donc, on y retrouve un trophée patine, 7 or, 7 argent et 10 bronzes. Rien que ça. Il y a plusieurs hypothèses possibles concernant la situation. Soit les trophées ont été révélés par erreur ou prématurément à la suite d'une fuite, soit la sortie du jeu est plus proche que prévu, voire imminente. Et nous devrions bientôt recevoir des informations très officielles à ce sujet de la part d'Ubisoft. Ce qui est certain, c'est que ce remake de Prince of Persia est attendu au tournant. Après le succès de The Lost Crown, il serait dommage de s'arrêter en ce bon chemin. Ubisoft. Et ça, c'est une très bonne nouvelle! Oui! Bah, moi aussi, j'attends Prince of Persia. Franchement.
Dès que j'ai vu l'annonce, j'étais tout fou. Il y a 3 ans, je dis ouais. Prince of Persia, yes, enfin. Et 3 ans après, bon, on attend encore. Espérons que ce soit-ci, on est sur la bonne vague, la bonne lancée. On croise les doigts. Oups, j'en porte mes lunettes. J'en tire mes lunettes, pardon. On croise les doigts. Voilà. Bon. Et oui, les amis, on a déjà parlé de Activision Blizzard. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas morose. C'est pas morose du tout, les amis. Moi, je vous le dis. Ça commence bien. Ça commence bien. Allez, c'est parti, on lit tout ça. Donc, l'actualité de l'industrie est décidément bien morose et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Microsoft annonce à son tour une vague de licenciements et l'annulation d'âge. Eh oui, une vague de licenciements et l'annulation d'âge. Ça commence fort, hein? Très fort. L'industrie du jeu connaît une véritable hécatombe. Depuis l'année dernière, les annonces de licenciements s'accumulent, presque toutes étant d'une violence alarmante. Riot Games révélait pas plus tard qu'avant-hier la suppression de quelque 530 emplois, soit 10% de sa force de travail. Le Glouton Embrasseur, donc normalement c'est celui-là qui était en route à faire un nouveau jeu Tortue Ninja, mais apparemment le jeu est mal parti. Voilà. Donc, qui avait un appétit débordant pour les rachats, recrache désormais des milliers de personnes dans la nature. Black Forest Games qui penche sur le fameux. Voilà, c'est ce que je disais. TMT Last Morning, donc c'est le nouveau jeu Tortue Ninja, est le dernier à faire des frais de cette politique nauséabonde. 50% de ses employés ayant été affectés. C'est maintenant au tour de Microsoft de faire des coupes parmi tous les Xbox Studios, même ces derniers en date Activision. Blizzard. Et c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. Très, très grave. Eh oui, car ce sont pas moins de 1900 emplois supprimés chez Xbox. Vous imaginez, 1900 personnes qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi. Vous imaginez leur situation actuelle. Le pire, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Oui. Ceux qui ne le savent pas encore. Après des mois de bataille, Microsoft a annoncé fièrement le rachat d'Activision en octobre 2023, une acquisition historique de presque de 70 millions de dollars, ce qui se soldera finalement par de nombreux licenciements quelques mois plus tard. La firme de Redmond a annoncé en interne la suppression de 1900 emplois répartis dans ses différents studios, soit environ 8% de ses effectifs de sa division gaming. Les plus impactés restent Activision Blizzard, mais les employés de Xbox et ZeniMax subiront aussi de plein fouet des coupes budgétaires. Dans une note envoyée aux employés obtenus, subiront aussi de plein fouet ce que, voilà, obtenus par The Verge. Pardon, voilà, je me suis trompé. Donc, dans une note envoyée aux employés obtenus par The Verge, Phil Spencer invoque une stratégie axé sur des coûts durables afin de soutenir l'ensemble de leur activité. Les employés impactés recevront des indemnités et selon les lois locales, mais en interne, personne ne sait encore qui sera impacté ou non. C'est ce que je disais. Personne ne sait qui va être ou pas bah, viré, quoi. C'est quand même fou, hein. T'es là, tu travailles, bon, t'es tranquille. Et du jour au lendemain, tu dégages. Ouais, c'est pas top. C'est pas top, 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 top. À l'avenir, nous continuerons d'investir dans des domaines qui feront croître notre activité et soutiendront notre stratégie consistant à proposer plus de jeux à plus de joueurs dans le monde entier. Bien qu'il s'agisse d'un moment difficile pour notre équipe, j'ai plus que jamais confiance en votre capacité à créer et à entretenir les jeux, les histoires et les mondes qui rassemblent les joueurs. Un jeu bizarre annulé. Dans un email consulté par Bloomberg, Rob Kotich, à la tête de l'édition chez Activision, précise que ces coupes étaient nécessaires pour réinitialiser et recentrer nos ressources à l'avenir. Blizzard, de son côté, devrait également fortement impacté par ces licenciements. Mike Ibarra, président depuis plus de 20 ans, a pris la décision de quitter l'entreprise,
tout comme Alan Adam, l'un des fondateurs de l'entreprise. Et voilà. Dans un mémo interne, Mike Bouty de Xbox Studio indique qu'un nouveau président sera élu la semaine prochaine. Jason Schreier rapporte que le jeu de survie Odyssey, donc c'est celui-là qui va être annulé. Donc si vous en avez entendu parler, etc., c'est ce jeu-là. En développement depuis plus de 6 ans, a simplement été annulé dans le processus. Il aurait été la première nouvelle licence de Blizzard depuis Overwatch et ne verra finalement jamais le jour. Ouais, c'est pas du bon tout ça. Hein. C'est pas du bon, du bon, du bon. C'est pas joli, joli. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix de vivre avec. Mais c'est malheureux, c'est pour les familles de ceux qui vont être virés, quoi. Y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Du jour au lendemain, tu te retrouves sans job. Qu'est-ce que tu vas faire en espérant qu'ils vont vite en retrouver, qu'ils vont être vite en replacer quelque part parce que. Ouais, c'est juste pas possible d'être dans cette situation, quoi. C'est impossible. Voilà. Et là, nous arrivons dans ce qui va s'appeler du foutage de gueule. Oui? Foutage de gueule. Voilà. Allez. On y va, c'est parti. Eh oui les amis, the day before. Eh oui, ils remettent le couvert les gars. Ils remettent le couvert avec du culot en plus. Avec du culot. Mais bon, ça c'est ça qui est bon pour nous. Pour les news. Voilà. Ouais, j'en rigole, mais bon, c'est pas trop marrant non plus. Voilà. Eh oui, the day before. C'est reparti pour un tour. Même mort, le studio continue de défendre son jeu. Ouais. Bon, le jeu fait encore parler de lui, un développeur de The Day Before contre-attaque pour protéger le cercueil de sa défunte création. Le jeu vidéo The Day Before, développé par Fantastic, a connu un parcours pour le moins tumultueux, marqué par des annonces prometteuses, des retards successifs et finalement une réception désastreuse, puis finalement la mort. L'histoire de ce jeu annoncé comme une expérience de survie en monde ouvert, massivement multijoueur s'est transformé en une véritable feuilleton chaotique. Annoncé le 29 janvier 2021, The Day Before avait captivé l'attention avec un trailer impressionnant, promettant un mélange de zombies et des combats contre des zombies dans un monde ouvert et interactif. Comparé à des succès comme The Division et Last of Us, le jeu semblait être idéal pour les fans de survie. Bien que le début du projet The Day Before avait été marqué par un enthousiasme notable, des préoccupations avaient rapidement vu le jour. Le passage annoncé du jeu à la technologie Unreal Engine 5, conjugué à de multiples reports de sa sortie, a semé le doute quant à la fiabilité de Fantastic. Par ailleurs, des réévaluations concernant le recours des travailleurs bénévoles au sein de l'entreprise ont provoqué des réactions critiques. À son lancement, l'action anticipée le 7 décembre 2023, The Day Before s'est révélé être affligé de multiples problèmes techniques, s'écartant considérablement de promesses initiales. Ce lancement décevant a été accueilli par une vague de critiques négatives, particulièrement prononcées sur des plateformes telles que Steam. Fantastic, prétendument fermé quelques jours après le lancement, a publié une déclaration sur Twitter, alors qu'ils n'ont pas droit, ils sont pas légaux, parce que normalement le studio il était fermé. Déjà ça commence bien. Donc il faut une déclaration, oui, avec le nom Fantastic. Alors que normalement, le studio il est fermé. What? Accusant une campagne de haine avoir affecté la perception du jeu, la société a nié des différences entre les trailers et le jeu final, tout en admettant l'absence de certaines fonctionnalités mineures. Le tweet en question a depuis a été supprimé. Bon, on pouvait lire, comme par hasard, il a été supprimé. Déjà, on pouvait lire. Certains blogueurs ont gagné énormément d'argent en créant dès le début du faux contenu avec des titres énormes pour gagner des vues et des abonnés en exploitant le manque d'informations sur le développement du jeu. Leurs actions ont déclenché une ruée vers l'or parmi les créateurs de contenu en raison de la popularité du jeu en avant-première. Les préjugés négatifs instaurés par certains blogueurs qui gagnent de l'argent grâce à la haine ont affecté la perception du jeu.
Voilà, donc le communiqué, il était là. Tout simplement. Voilà, bon, bah, fantastique. Depuis le 22 février, janvier, les serveurs sont à l'arrêt. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bah, ils veulent dire tout simplement que. Je remonte un petit peu. Bah, que les créateurs de contenu, donc nous, tels que tous ceux qui font du New JV, hein, jeux vidéo magazine, etc., qu'on a parlé du mal du jeu avant que le jeu ne sorte. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il nie complètement. Enfin, il nie pas, je veux pas dire qu'il nie, mais il déclare totalement que oui, c'est nous qu'on a fait du tort au jeu. En gros. Je ne suis pas trop d'accord là-dessus parce que bah même moi j'en avais parlé, mais j'en ai parlé quand il y a eu tout le pataquès. Enfin, moi je suis petit, hein, je suis un petit youtubeur. C'est pas avec moi qu'ils vont dire que ouais, j'ai dénigré le jeu. Nanana. J'en ai parlé que quand il y a eu le problème sur Steam, que le jeu a fermé, j'en ai pas parlé avant l'annonce du jeu. J'en avais pas parlé. Déjà, je crois qu'il me semble que je faisais pas d'actualité news à ce moment-là. Voilà. Donc, moi, je vais pas être touché à pacte. Je vais pas être touché proportionnellement parce que moi, étant petit, voilà, comme je disais. Mais bon, ça va loin leur truc, hein. Ça va loin. Franchement, mais où va le monde? Où va le monde, les amis? De toute façon, faut qu'ils trouvent des trucs, faut qu'ils trouvent des. Faut toujours qu'ils trouvent des choses à redire. Toujours. Mais là, tout est fermé, tout est. Voilà quoi. Donc. Bref, on va voir ce qui est dans la suite. Bah, apparemment, vu que tout est fermé, est-ce que cette fois-ci c'est officiellement terminé? On verra bien. Mais bon, là, c'est. Nous cracher dessus, on dit qu'on a dénigré le jeu avant la sortie du jeu. Désolé, mais non. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette actualité à Internet. Voilà. Bon, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ces actualités Internet du moment. Bon, bah, on s'est bien amusé, mais il y a un truc qui est bien, c'est que pour point de surface, c'est que ça arrive. Ça, c'est méga génial. J'espère que ça vous a plu, notamment la petite présentation. Voilà. J'essaierai de remplir au fur et à mesure le décor. Moi, j'ai mis 3 quarts d'heure à faire ce petit décor-là. J'essaierai de le remplir au fur et à mesure. Ça doit, tout dépend de vos goûts, vos couleurs. Voilà. Dites-moi ce que vous avez apprécié et le moins apprécié. Voilà. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo pour vous. Comme vous le savez, j'aime l'actualité des jeux vidéo. Voilà. En tout cas, des gros bisous. Portez-vous bien. Et vive les jeux vidéo. Bye bye.